Alors, coucou tout le monde! Comment allez-vous? Bah écoutez, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de mes expériences en tant que femme noire en voyageant toute seule au Nicaragua. Tout d'abord, où se situe Nicaragua? Ah bah oui! Est-ce que vous connaissez Nicaragua? Alors, Nicaragua se situe en fait en Amérique centrale, non loin de San Salvador et non loin de Honduras. Alors, de Honduras jusqu'à Nicaragua, il faut 10 heures de trajet et de San Salvador jusqu'à Nicaragua, il faut 11 heures de trajet et tout ça en bus. Alors, moi, je suis partie en fait durant ma traversée de l'Amérique centrale. Bien sûr, mon objectif en fait était de traverser toute l'Amérique centrale du départ du Mexique jusqu'en Colombie et tout ça en bus. Alors, à Nicaragua, je suis restée en fait pendant 2 semaines où j'ai fait une semaine à Managua qui est la capitale de Nicaragua et j'ai été également à Grenada. Grenada qui est pas très loin, une ville pas très loin en fait de Nicaragua. Alors, parlons de la vie au Nicaragua. Alors, au Nicaragua, la vie n'est pas du tout chère, les gars. Ah ouais, non, mais vraiment pas du tout chère. Là-bas, en fait, on me prenait énormément pour une Nicaraguayenne, mais des îles. Parce que oui, en fait, il y a une archipel pas très loin de Nicaragua qui fait également partie du Nicaragua. Et donc, du coup, partout où je passais, on venait, on me tapait la discussion, les gars. On me tapait la discussion. Hé, amiga! Usted de dónde? Je suis de là-bas, viens et tout. Mais enfin, les gens, ils venaient, ils me tapaient la discussion comme ça. Ils pensaient vraiment que j'étais du Nicaragua, alors que j'étais pas du tout du Nicaragua. Donc du coup, bah moi, pour faire passer un peu le truc, hein, ah bah oui, je disais que j'étais des îles du maïs. Et donc du coup, on me faisait des prix. Mais franchement, je dis la vérité, au Nicaragua, j'ai fait. Franchement, au Nicaragua, j'ai tellement fait des économies. Oh là 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 là, Dieu seul sait. J'ai fait trop d'économies. Tout le temps, on m'invitait. Tellement d'économies là-bas, les gars, si vous savez. Non, sérieux, franchement, les gens étaient topissimo. Mamacita de la Rosa. J'ai kiffé ma life, sérieusement. J'ai kiffé ma life, mais à fond. Et les gens étaient super gentils. Bah, de toute façon, ils étaient tout gentils, ils étaient très agréables, très accueillants. Bah, en même temps, je leur racontais que j'étais de Nicaragua. Donc, c'est un peu logique que tout était moins cher pour moi. Enfin, tout était. Enfin, c'était juste magnifique. Alors, y a-t-il du racisme au Nicaragua? Clairement. En même temps, je ne suis pas restée longtemps. Je suis restée que 15 jours. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous dire s'il y a vraiment du racisme ou pas. Mais en tout cas, pendant les 15 jours que j'ai fait au Nicaragua, enfin, j'ai pas eu de problème, quoi. Enfin, tout s'est super bien passé. Donc, j'ai pas eu de problème. Les gens étaient plus ou moins agréables. Bon, j'ai pas vraiment senti du racisme en 15 jours. J'ai vraiment pas senti du racisme. Voilà. Du coup, conseil, si vous allez au Nicaragua, franchement. Fendez-vous dans la masse. Voilà, pareil. Fendez-vous dans la masse. Parlez avec les gens. Discutez avec les gens. Parce que par contre, ils sont super agréables. Ils sont super gentils. Ah, le seul hic, peut-être, qui m'a un peu choquée, c'est que je trouvais que c'était un tout petit peu sale. Bon, voilà. Il y avait juste ça. À Managua, principalement, je trouvais que c'était sale. Grenada, bon, vite fait. Mais mis à part ça, franchement, parlez avec les gens. Rigolez. Tapez-vous la discute. Enfin. Kiffez quoi, kiffez votre life. Voilà, ma vidéo va s'arrêter maintenant. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.